Avant, l'Angola a rapatrié, mais aujourd'hui, elle ne fait pas parce que l'Angola est en crise. Et quand il y a un prison, il faut payer tout pied. Au moins, le gouvernement, d'aller voir si il y a des liens qui veulent revenir volontairement. Il y a des chapitres pour les ramener, au moins. Et voir le gouvernement pour qu'on ne dise qu'il n'y a pas. Les biens, au moins, acquis. Les semaines passées, j'ai contrôlé seulement 7 villes dans des zones minières. Ils ont saisi plus d'un million de dollars. Plusieurs carats de diamants. L'ambassadeur qui est là aujourd'hui, quand on lui pose la question, il dit qu'il ne peut rien. Le pays est souverain, il peut contrôler comme il veut, l'État ne peut rien. Ce n'était pas la réponse à peine. Au moins, pour cela, je les ai un peu. Donc, c'est pour attirer l'attention. Les membres du gouvernement sont appelés à nous le présenter. Le ministère du plan pour le cadrage macroéconomique dans lequel s'inscrit ce budget, qui n'est que la présentation d'une séquence de ce cadrage macroéconomique. Monsieur le ministre des Finances est là pour nous assurer de la convergence du budget avec les priorités économique et financière du gouvernement. Comme le président de l'Assemblée l'a indiqué, le gouverneur de la Banque centrale est là pour nous dire que la politique monétaire est conforme à la politique budgétaire que le ministre du budget va nous présenter. C'est la séquence du budget n'est que l'année de ce programme de développement économique et social à moyen et long terme. Pour ce faire, comme le président de l'Assemblée l'a dit, la parole est au gouvernement qui va nous présenter, soit par un des ministres, ou par deux, ou par l'ensemble des quatre, les orientations générales qui ont conduit à l'élaboration de ce budget sur lequel vous êtes appelés à vous prononcer. Donc, faire un chronogramme, j'espère que le gouvernement a reçu, que les ministres sont appelés à respecter, si tant est que le budget est leur priorité, pour que chacun des ministres vienne dans la commission devant vous, honorables députés, défendre son budget, avant que vous vous prononciez sur son adoption, sur l'autorisation que vous allez donner au gouvernement d'exécuter ce budget. Il est important que les ministres accordent la priorité, si c'est leur priorité, à ce budget pour respecter le chronogramme qu'ils ont reçu de passage dans les commissions respectives. Voilà, Monsieur le Président, pourquoi les membres du gouvernement sont ici, prouvant que ce budget est leur priorité. Avec votre permission, je vais leur donner la parole et puis introduire Monsieur le Président, honorable député. Nous allons écouter le gouvernement. Des dépenses d'investissement par rapport aux prévisions de l'année budgétaire 2017. Pour l'exercice 2018, les prévisions de crédit pour les dépenses d'investissement public se chiffrent à 7 788 milliards de GNF, dont 2 977 milliards sur les ressources propres, soit 38%
et 4 811 milliards de GNF sur les ressources extérieures, soit près de 62%. Au 30 juin 2018, les dépenses d'investissement public, tout financement confondu, ont été exécutées à hauteur de 940 milliards de GNF contre 1582,6 milliards de GNF prévus dans le plan d'engagement, soit un taux d'exécution de 59,4%. Les dépenses extérieures sur ressources propres s'élèvent à 80,5 milliards de GNF, soit 5%, contre 767 milliards de GNF sur ressources extérieures, soit 82%. Le constat ici est que le taux d'exécution des dépenses d'investissement public sur BND au premier semestre est extrêmement faible. Nous sommes conscients de cette situation que nous engageons à corriger au cours des exercices budgétaires futurs par les mesures appropriées suivantes. Le démarrage à bonne date des engagements, cette année ils ont démarré au mois de mai et ceci très timidement. La mise en place de dispositions pour assurer un fonctionnement inclusif du comité d'engagement, particulièrement en matière de définition et de répartition par secteur et par projet des plafonds de crédit à engager. Honorables députés, mesdames et messieurs, le PIP 2019-2021 a été élaboré dans un contexte marqué sur le plan macroéconomique par de bonnes performances au premier semestre 2018, en lien avec le programme soutenu par la Facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international et sur le plan social par la persistance des grèves et des manifestations de rue sur fond de désaccords politiques. Cette situation appelle à un optimisme prudent pour éviter tout dérapage dans l'exécution des projets et des programmes. Des dérapages qui pourraient être de nature à dévier l'économie de la trajectoire de forte croissance autour de 10% du PIB sur laquelle elle se situe depuis 2016, début de la mise en œuvre du PNDS. La préparation du PIP 2019-2021 intervient en outre dans un contexte de poursuite des efforts de réforme institutionnelle visant à moderniser la gestion des finances publiques en général et des investissements publics en particulier. Au nombre de ces efforts, il peut être mentionné l'accélération de la mise en œuvre du PNDS 2016-2020 et du Programme national d'investissement qui lui est adossé. La préservation de la stabilité macroéconomique en lien avec le programme soutenu par la Facilité élargie de crédit, la mise en œuvre progressive de la LOLF, notamment la poursuite des débats d'orientation budgétaire et l'expérimentation prévue des autorisations d'engagement des crédits de paiement. La traduction en action concrète des recommandations des deux évaluations réalisées en 2018, l'une selon la méthodologie PEFA et portant sur le système de gestion des finances publiques dans sa globalité, et l'autre selon la méthodologie PIMA et portant sur la gestion des investissements publics. Enfin, la poursuite de la mise en œuvre de la plateforme intégrée de gestion des projets et programmes d'investissement public. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, en lien avec le PNDS, le PIP 2019-2021 est sous-tendu par un taux d'investissement public moyen de 9%. Sur cette base, l'enveloppe globale de programmes
par rapport à celui de la période triennale 2018-2020 écoulée. Cette situation tient au volume élevé des ressources mobilisées auprès des partenaires traditionnels que sont la Banque islamique de développement, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, l'Union européenne, la Banque arabe de développement en Afrique et le Fonds cohésien et le Fonds de l'OPEP. S'agissant du partenariat chinois, les quatre projets pour un coût global d'$1,040 milliard des États-Unis inscrits dans la première génération de l'accord cadre figurent dans ce PIB. Il s'agit principalement de la route nationale numéro 1, des voiries urbaines de Conakry, l'interconnexion Lissamfoumi, la construction de l'université de Sonfonia. Il importe en outre de mentionner que les principaux projets et programmes inscrits dans le PIB proviennent tous du PNI 2016-2020. Ainsi, on y note 22 projets phares à maturité élevée figurant dans le PNDS. Pour terminer, je voudrais saisir l'occasion pour vous remercier, Monsieur le Président de l'Assemblée, et vous, Mesdames et Messieurs les députés, les honorables députés, pour votre appui au rétablissement de la chaîne de planification, programmation, budgétisation, suivi, évaluation comme mode de gestion de développement en Guinée. Je vous remercie pour votre aimable attention. Mesdames et Messieurs les présidents des institutions républicaines, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre conseiller du chef de l'État chargé des relations avec les institutions républicaines, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, honorables députés, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur de me trouver devant votre auguste assemblée ce matin pour soumettre à votre approbation le projet de loi de finances initiale pour 2019. Je voudrais, à l'entame de mes propos, souligner trois aspects particuliers du contexte de l'élaboration de ce projet de loi de finances. 1. 2018 marque l'entrée en vigueur effective de la loi organique relative aux lois de finances qui encadre strictement le processus d'élaboration des projets de loi de finances. En second lieu, la deuxième revue du programme économique et financier soutenue par la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international a été effectuée et les résultats sont satisfaisants. En troisième lieu, le début de la concrétisation de l'accord cadre de partenariat stratégique sino-guinéen. Honorables députés, l'élaboration du budget est l'occasion de faire des choix clairs, et nous en avons fait. Elle doit également être l'occasion de confirmer nos ambitions en matière de croissance et de maîtrise de nos finances publiques. Une démarche de redressement de nos finances publiques est engagée depuis l'arrivée aux responsabilités du président de la République, professeur Alpha Condé. Elle se poursuit avec ce projet de budget qui vise deux objectifs majeurs. Premièrement, mettre en œuvre la politique voulue par le président de la République et le gouvernement d'une croissance plus forte et inclusive pour améliorer le niveau de vie
de nos populations. Deuxièmement, s'inscrire résolument dans la trajectoire de redressement de nos finances publiques en respectant nos engagements. Le projet de budget que nous vous présentons aujourd'hui avec le ministre du Budget qui va tout à l'heure vous décliner les grandes masses du budget traduit cette volonté du gouvernement de poursuivre ses ambitions de développement et de solidarité. C'est un projet de loi responsable dans ses objectifs, volontariste dans ses choix. Honorables députés, le projet de loi de finances initiale que nous vous soumettons a été élaboré dans un contexte international marqué par un ralentissement de la croissance de l'économie mondiale. Le taux de croissance passerait ainsi de 3,8% en 2017 à 3,7% en 2018, contre une prévision de 3,9%. Les principaux facteurs évoqués sont le regain de tensions commerciales et le resserrement des conditions financières liées à la sortie des politiques monétaires très accommodantes. Les perspectives varient selon les zones économiques. En effet, les économies d'Afrique subsaharienne continuent de se redresser, mais à un rythme plus lent que prévu. Cela tient en partie à une conjoncture internationale marquée par l'essoufflement des échanges mondiaux et l'activité industrielle, la chute des cours des matières premières et des produits. En 2018, la région devrait afficher un taux de croissance moyen de l'ordre de 2,7%, soit une légère augmentation par rapport aux 2,3% enregistrés en 2017. Honorables députés, en ce qui concerne le contexte national, la croissance s'est établie à environ 10% en 2017 contre 10,5% en 2016. Les projections de croissance en 2018 tablent sur 5,8% et 5,8% en 2018 donc et 5,9% en 2019. Comme vous le constatez, la croissance du PIB est demeurée robuste ces trois dernières années. Ces résultats auraient dû être bien meilleurs dans un contexte social apaisé. Mais la récurrence des troubles sociaux et des grèves syndicales en 2018 ont eu des répercussions importantes sur l'activité économique et paralysé les grandes zones de production et de consommation. L'impact de ces événements sur les finances publiques a été particulièrement sensible. La baisse de recettes qui en a résulté a nécessité l'élaboration d'une loi de finances rectificative. Honorables députés, en dépit de cette conjoncture nationale et internationale difficile, le gouvernement maintient ses efforts de réforme et d'action de transformation structurelle de notre économie et de modernisation de la gestion de nos finances publiques. Ainsi, nous avons envisagé les grands chantiers suivants. 1. La mise en œuvre du Plan national de développement économique et social, PNDS, 2016-2020, que vous avez adopté, s'est poursuivi pour générer une croissance inclusive de manière à cibler les actions qui vont réduire la pauvreté et améliorer le niveau de vie de nos populations. Le but poursuivi est de placer notre pays sur le sentier de la croissance durable et partagée, de favoriser la diversification de notre économie et de créer les opportunités d'emploi pour tous. 2.
l'amplification des réformes de politique saine pour assurer la stabilité macroéconomique, accroître les recettes publiques et améliorer la qualité des dépenses publiques, continuer à veiller sur la soutenabilité de la dette. 3. Au niveau des réformes structurelles, la mise en place de politiques visant à améliorer l'environnement des affaires pour soutenir le développement du secteur privé et parvenir à une croissance plus forte et diversifiée. Un plan d'action dans ce sens a été élaboré par le gouvernement. Le tribunal de commerce a été créé pour régler les litiges d'ordre contractuel. 4. Pour réduire les transferts budgétaires à EDG, la prise de mesures visant à augmenter les revenus, dont la pose de compteurs dans les bâtiments administratifs, l'élaboration et l'application d'une nouvelle grille tarifaire. 5. Le renforcement de la coopération avec les partenaires techniques et financiers. Un programme de politique économique et de réforme financière soutenu par la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international est en cours d'exécution. Les premiers contrats de prêt de l'accord sino-guinéen ont été signés au cours du troisième trimestre de 2018 pour accroître les investissements dans le secteur des infrastructures. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, pour consolider les bons résultats enregistrés en matière de croissance économique et inverser les tendances préoccupantes observées au niveau des finances de l'État dans le passé, nous vous soumettons le présent projet de loi de finances qui se veut volontariste et réaliste. Ce projet de loi de finances contribuera incontestablement à l'atteinte des objectifs de politique socio-économique fixés par Son Excellence Monsieur le Président de la République, à savoir, premièrement, la réduction de l'extrême pauvreté et le partage de la prospérité reflétée par l'augmentation significative des crédits aux secteurs sociaux. Deuxièmement, la diversification de l'économie nationale pour réduire sa dépendance vis-à-vis du secteur minier et orienter les investissements vers les secteurs économiques plus redistributifs. Troisièmement, le développement des infrastructures économiques et sociales. Avec les efforts déployés par le gouvernement, sous la conduite de M. le Premier ministre et soutenu par la représentation nationale que vous êtes, pour instaurer un climat social apaisé où chaque secteur, gouvernement et partenaires sociaux, est conscient de son rôle et de ses responsabilités, l'espoir reste de mise pour réaliser l'ambitieux programme de développement socio-économique de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé. Je vous remercie. Institution républicaine. Monsieur le ministre, conseiller chef de l'État, chargé des relations avec les institutions républicaines, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, mesdames et messieurs les honorables députés, mesdames et messieurs les représentants des institutions internationales, distingués invités, mesdames et messieurs, la présente session m'offre l'occasion une fois de plus de m'adresser à votre auguste assemblée pour soumettre à votre appréciation le projet de loi de finances initiale 2019 tel qu'adopté par le gouvernement sur la base des recommandations issues du débat d'orientation budgétaire tenu les 20 et 21 juillet 2018 dans votre hémicycle. Permettez-moi tout d'abord de vous exprimer la satisfaction du gouvernement pour le soutien constant de votre institution dans la mise en œuvre de sa politique économique et financière à travers l'examen et l'approbation des projets de texte de loi à incidence financière.
Comme vous le savez, le vote du budget constitue une étape significative du contrôle parlementaire des actions gouvernementales telles que prescrites par la Constitution. Le présent projet de loi de finances fait ressortir un déficit budgétaire projeté en 2019, tel qu'il résulte des projections de recettes et de dépenses, et les moyens prévus pour son financement, conformément aux objectifs de la politique budgétaire du gouvernement. Cette politique budgétaire est en ligne avec la vision du chef de l'État, traduite dans la déclaration de politique générale du Premier ministre prononcée devant votre auguste Assemblée. Il vous subviendra que le débat d'orientation budgétaire que vous avez organisé en juillet 2018 a balisé la trajectoire pour les trois prochaines années avec un focus pour l'année 2019 et qui reste très déterminante dans la réalisation du Programme national du développement social 2016-2020. Comme vous pouvez le constater, la session budgétaire 2019 se tient dans un contexte marqué, entre autres, par l'intensification des initiatives présidentielles et des efforts du gouvernement dans la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social, PNDS, le bouclage du financement et l'accélération des travaux d'aménagement du projet hydroélectrique de Choapiti et le ferme engagement du gouvernement à préserver la stabilité macroéconomique à l'aide d'un cadre budgétaire en ligne avec le programme économique et financier soutenu par la facilité élargie de crédit du FMI. Ce programme, il faut le rappeler, est un déterminant majeur dans la mobilisation des ressources auprès des autres partenaires au développement pour soutenir les efforts du gouvernement. Par ailleurs, le gouvernement entend poursuivre les réformes entreprises au titre de la transparence budgétaire, de la mobilisation et la sécurisation des recettes publiques, de la rationalisation des dépenses publiques et de l'orientation des interventions publiques vers les secteurs à fort potentiel de croissance. Aussi, faut-il le rappeler, le gouvernement attache de l'importance à la modernisation de la gestion des finances publiques en général et en particulier à la programmation budgétaire qui constitue un facteur décisif pour l'atteinte des objectifs de développement ambitionnés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Le projet de loi de finances 2019 s'inscrit dans la trajectoire d'une croissance durable et partagé à travers la diversification de l'économie, la création des opportunités d'emploi pour tous et l'amélioration du niveau de vie de la population. Comme indiqué dans le discours de son Excellence Monsieur le Président de la République à l'occasion du 60e anniversaire de notre indépendance, le gouvernement s'engage à mettre en œuvre des projections destinées à préserver l'avenir des générations futures auquel il devra laisser un pays doté d'infrastructures viables et solides. Il devra également doter notre État d'une économie capable d'apporter une réponse durable aux besoins sociaux de base, notamment dans la promotion d'un système éducatif performant, d'un système de santé plus efficace et d'une fourniture améliorée d'eau et d'électricité. Nous avons ainsi le devoir d'assurer l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes. Mon intervention va s'articuler essentiellement autour du contenu du projet de budget ainsi que ses bases d'évaluation. Monsieur le Président de l'Assemblée, honorables députés, les projections budgétaires 2019 tablent sur un taux de croissance du PIB de 5,9%, un taux d'inflation en moyenne annuelle de 8,6%, un taux de change de 9 824,7 pour francs guinéens pour un dollar et un taux de pression fiscale de 13,7% du PIB. En cohérence avec la politique monétaire, les objectifs de la politique budgétaire visent 1.
un déficit budgétaire de moins 2,4% du PIB et un solde de base de 0,9% du PIB. 2. Un taux d'endettement raisonnable ne devant pas dépasser 45,5% du PIB. Et le maintien du risque de surendettement à un niveau modéré dans le cadre d'une stratégie d'endettement de moyen terme. 3. Un encadrement renforcé des recettes intérieures pour consolider progressivement la transition fiscale à l'horizon 2020, échéance de la mise en œuvre complète du TEC CDAO. Et 4. Une composition de la dépense en faveur des services de base et des investissements aptes à impulser la croissance. Conformément aux objectifs de la politique budgétaire du gouvernement et prenant en compte le rythme d'exécution de la loi de finances 2018, les grandes masses des soldes caractéristiques du projet de budget pour 2019 se présentent ainsi qu'il suit. Recette totale, 19 332,08 milliards, soit 15,3% du PIB. Dépenses totales, 22 312,13 milliards, soit 17,6% du PIB, dont 9 663,48 milliards en dépenses d'investissement, soit 7,7% du PIB. Le solde de base de moins 2 980,05, soit moins 2,4% du PIB. Les recettes du budget de l'État, y compris le budget d'affectation spéciale pour le Fonds national de développement local et Agence nationale de financement des collectivités, ANAFIC, ont connu une augmentation de 16,3% par rapport aux prévisions de la LFR 2018 adoptée en septembre dernier. À cet effet, comme l'avait prononcé le Premier ministre dans son discours de politique générale, je cite, « Une véritable révolution fiscale sera indispensable, à la fois pour dégager les marges budgétaires en vue du financement des priorités économiques, mais également pour moderniser la politique considérée et rendre les administrations économiques et financières plus performantes. » C'est pourquoi, pour l'atteinte de ces objectifs de recettes, un certain nombre de dispositions fiscales nouvelles ont été insérées dans ce projet de loi de finances. Ces dispositions sont relatives au réaménagement du barème de la retenue sur les traitements des salaires, pensions et rentes viagères, à un réajustement du taux d'impôt minimum forfaitaire des sociétés et entreprises relevant du régime réel normal, à l'élargissement de l'assiette, au réaménagement de certains taux et à la modification de la clé de répartition de la contribution foncière unique, à l'intégration des produits de vente de marchandises cotées dans le calcul du résultat imposable des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, aux conditions de déductibilité des charges dans la détermination des bénéfices imposables, à la limitation des charges d'intérêt entre entreprises liées, au transfert indirect de bénéfices et prix de transfert pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés. Pour ces dispositions fiscales, le gouvernement a associé le secteur privé en vue d'assurer une meilleure application. En outre, ce renforcement de la politique fiscale sera accompagné par une réforme de l'administration fiscale, notamment de la Direction nationale des impôts, par la requalification des contrats de performance avec toutes les régies de recettes et une meilleure surveillance des dépenses fiscales, dont le rapport d'évaluation au titre de l'exercice 2017 est annexé à la documentation qui accompagne le projet de loi de finances. Les dépenses du budget de l'État, y compris le budget d'affectation spéciale Fonds national de développement local en Afrique, sont évalués à 22 312,13 milliards contre une prévision dans la loi de finances rectificative de 19 190,55, soit une augmentation de 3 121,20
58 milliards 13,16,3%. Rapporté au PIB, les dépenses se sont maintenues à 17,7%. Le projet de loi de finances ainsi soumis à votre examen et approbation reste marqué par la volonté du gouvernement de préserver les équilibres macroéconomiques tels que négociés avec les partenaires de Bretton Woods, de réduire le train de vie de l'État, de réduire le train de vie de l'État de 20% imputable aux dépenses de biens et services, d'orienter cette marge ainsi dégagée aux dépenses d'investissement à l'effet de rehausser le niveau des crédits destinés aux actions sociales et aux projets de programme des secteurs porteurs de croissance pour une réduction durable de la pauvreté, notamment l'allocation des crédits budgétaires au Fonds de développement de l'habitat en vue d'améliorer progressivement l'offre de logements sociaux, d'assurer la promotion du code de développement par l'application du code de développement, que le gouvernement continue à axer ses efforts sur les fonctions affaires économiques, services généraux des administrations publiques, enseignement, logements et équipements collectifs, défense, santé et protection sociale, qui absorbent les 94,2% du montant total du budget. L'enveloppe alliée à la fonction affaires économiques représente 27,5% du budget total contre 13% en 2018. Cette augmentation a été rendue possible suite à la réallocation de la ponction de 20% opérée sur les dépenses et biens et services du budget 2018, soit 404 milliards affectés en partie aux dépenses d'investissement des secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Les services généraux des administrations publiques représentent 21,5% du total du budget de 2019 contre 23,1%. Cette enveloppe est essentiellement consacrée aux efforts du gouvernement pour la promotion de la bonne gouvernance, à la poursuite des actions des réformes engagées par le gouvernement dans le domaine de la justice, des finances publiques et de la modernisation de l'administration. La part des fonctions enseignement est de 13,6% contre 13,4% en 2018. Cette allocation légèrement en hausse vise à améliorer le système éducatif à travers la construction, l'extension, la rénovation et l'équipement des infrastructures scolaires, universitaires et de l'enseignement technique et formation professionnelle. La fonction logement et équipement collectif bénéficie d'une enveloppe de 10,4% du budget total contre 1,6% en 2018. Cette enveloppe, qui connaît une hausse significative, couvre essentiellement des projets liés au schéma directeur des villes de l'intérieur, la mise en place du fonds de garantie de l'habitat et l'immatriculation du domaine foncier. Le gouvernement a mis un accent particulier sur le secteur des travaux publics. D'importantes allocations budgétaires ont été accordées à ce secteur pour appuyer le développement, le programme d'infrastructures routières, notamment la construction de routes urbaines et interurbaines et des infrastructures de voirie, dont les crédits ont été portés à un montant de 3 433,21 milliards contre 2 462,22 milliards en 2018, soit une augmentation de 970,99 milliards. Cette projection concerne les ressources propres pour 1 563,115 milliards et le financement extérieur de 1 869,45 milliards. La fonction défense reçoit 8% du montant des allocations du budget 2019 contre 9,2%. Cette allocation est destinée, entre autres, aux travaux de reconstruction et d'équipement au compte du ministère de la Défense nationale et à la sécurisation de nos frontières. La fonction santé absorbe 7,3% du projet de loi de finances contre 5,4% en 2018. L'essentiel de cette allocation sera consacré au programme de reconstruction du système de santé,
notamment la construction de la pharmacie centrale de Guinée, projet multisectoriel de lutte contre ISTC, le VIH-SIDA, construction, rénovation et équipement des hôpitaux. La dotation de la fonction protection sociale passe de 5,6% à 5,7% dans le projet de loi 2019. Cette enveloppe servira essentiellement à renforcer l'assistance aux couches vulnérables, notamment la construction du centre d'apprentissage pour personnes handicapées, le programme de réintégration et autonomisation des handicapés, la construction des antennes du Fonds de développement social et de la société et de la solidarité. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, le déficit budgétaire qui s'établit à 2 980,05 milliards sera couvert par des ressources de financement à hauteur de 5 042,99 et des charges de financement à hauteur de 2 062,16 milliards. Le solde budgétaire de base s'établit à 0,9% du PIB contre 0,8% dans la loi de finances rectificative 2018. Monsieur le Président, honorables députés, l'année 2019 marquera le démarrage du début de l'opérationnalisation du Fonds national de développement local institué par la loi de finances de 2016 et l'opérationnalisation de l'Agence nationale de financement des collectivités, ANAFIC, créée en 2017. L'ANAFIC, faut-il le rappeler, est chargée de mobiliser pour le compte du Fonds national de développement local les ressources internes et extérieures, de financer des projets d'investissement des collectivités locales ou de coopération intercollectivité qui sont éligibles au Fonds de développement local et d'assurer leur accompagnement technique. L'agence est également chargée de collecter en faveur des collectivités locales les dotations budgétaires sectorielles affectées aux compétences transférées et veiller à leur inscription effective au Fonds national de développement local. Conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances LOLF, le Fonds national de développement local fonctionne sous forme de budget d'affectation spéciale basse, alimenté par une affectation de 15% des recettes minières, 517,81 milliards. Les dépenses éligibles à ce BAS seront fixées par un arrêté de M. le Premier ministre en application de l'article 29 du Code des collectivités locales qui fixe les compétences transférées. Le projet de loi de finances de 2019 se caractérise également par la volonté du gouvernement de réduire les inégalités sociales par la mise en place d'une agence d'inclusion financière dotée d'un budget de 50 milliards. Cette agence vient renforcer le dispositif existant, à savoir le Fonds de développement social et de la société de solidarité, le Fonds national d'insertion des chaînes fournies, le Fonds de développement économique et social, le Fonds d'aide au développement sport et le Fonds de développement des arts et de la culture. Aussi, le gouvernement a prévu, dans le cadre de la promotion de l'habitat social, une ligne de 25 milliards pour le Fonds de garantie de l'habitat. Monsieur le Président de l'Assemblée, honorables députés, la bonne gouvernance en matière de gestion des finances publiques étant une condition essentielle du développement économique et de la consolidation de la démocratie, le gouvernement entend, comme par le passé, devant votre auguste Assemblée, une contribution de qualité dans la formulation, l'exécution et le contrôle de ce projet de budget soumis à votre examen et approbation. Dans cette attente, tout en se félicitant de la qualité des relations que vous avez toujours entretenu avec l'exécutif, le gouvernement dirigé par le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana, sous l'égide de son Excellence Monsieur le Président de la République, Professeur Alpha Condé, sollicite de la représentation nationale l'examen et l'adoption avant le 31 décembre 2018 du projet présent de loi de finances. Je vous remercie. Monsieur le Président,
de l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre conseiller du président de la République, mesdames et messieurs les présidents des institutions républicaines, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, mesdames et messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire, mesdames et messieurs les représentants des institutions internationales, messieurs les officiers généraux de l'armée guinéenne, mesdames et messieurs les membres du personnel parlementaire, mesdames et messieurs de la presse, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, honorables députés, c'est pour moi un honneur et un plaisir renouvelé de prendre la parole encore une fois devant vous, honorables membres de la représentation nationale, pour présenter les actions menées par la Banque centrale de la République de Guinée au cours des trois premiers trimestres de l'année 2018 et les perspectives pour 2019. Mon intervention portera dans un premier temps sur un aperçu de l'environnement économique international, lequel n'est pas sans influer sur la mise en œuvre de la politique économique et de change, de la politique monétaire et de change. Je présenterai ensuite les mesures de politique monétaire ainsi que les réformes monétaires et financières mises en œuvre. De même, il sera question des principaux résultats obtenus à fin septembre 2018. J'aborderai également les activités de supervision des institutions financières, une des missions essentielles de la Banque centrale. Je terminerai ma communication par les perspectives pour l'année 2019. Monsieur le Président, honorables députés, mesdames et messieurs, l'activité économique mondiale a été brillamment présentée par Madame la ministre du Plan, Monsieur le ministre des Finances et du Budget. Vous me permettrez donc de l'évoquer sur cet aspect que la partie concernant l'économie de la CEDEAO, laquelle a maintenu sa bonne performance des années 2016 et 2017, reflétant en particulier le dynamisme dans les activités de l'UMOA, du Ghana et la reprise au Nigeria. Au plan national, selon les prévisions du ministère du Plan et du Développement économique, le taux de croissance du PIB devrait se situer autour de 5,8% en 2018 et 5,9% en 2019. Cette performance est essentiellement due au dynamisme des secteurs des mines, de l'agriculture et de l'énergie. L'inflation en glissement annuel se situe à 9,9% en septembre 2018 contre 9,3% pour la même période en 2017. Cet accroissement s'explique essentiellement par une situation de hausse généralisée des salaires suite aux revendications salariales récurrentes des organisations syndicales. Monsieur le Président, honorables députés, mesdames et messieurs, la mise en œuvre de la politique monétaire au cours des trois premiers trimestres de 2018 s'est inscrite dans le cadre de la consolidation de la stabilité macroéconomique. À ce titre, la BCRG a maintenu inchangé son taux directeur ainsi que le coefficient de réserve obligatoire respectivement à 12,5% et à 16%. Ces efforts, combinés à ceux déployés par le gouvernement dans tous les secteurs, ont permis au Conseil d'administration du Fonds monétaire international de conclure positivement la première revue du nouveau programme de la Guinée appuyé par la facilité élargie de crédit. Dans le cadre de sa mission
de défense de la valeur externe de la monnaie nationale, la Banque centrale a poursuivi une politique de change axée sur la gestion rigoureuse des réserves pour assurer le fonctionnement normal du marché aux enchères bilatérales de devises et la stabilité du taux de change. Ces actions ont été confortées par l'accroissement de l'offre de devises résultant de l'augmentation des exportations de l'or extrait par les orpailleurs artisanaux. En somme, sur le marché officiel, le cours de dollar américain est resté quasi stable pour s'établir à 9,5 francs guinéens à fin septembre 2018 contre 9,6 francs à fin 2017. Durant la même période, la prime de change du dollar est restée stable autour de 1% à fin septembre 2018, traduisant ainsi pratiquement l'unification des marchés de change officiels et parallèles. En outre, à fin septembre 2018, la masse monétaire a progressé de 3,1% par rapport à fin 2017 pour se situer à 23 134,3 milliards de francs guinéens, en raison de l'accroissement des avoirs extérieurs nets de 28,8%, contenu par une contraction des avoirs intérieurs nets de 4,2%. La hausse des avoirs extérieurs nets s'explique en partie par les cessions de recettes d'exportation et la contraction des avoirs intérieurs nets due principalement à l'amélioration de la position nette du trésor dans les banques commerciales. Monsieur le Président, honorables députés, mesdames et messieurs, comme les années précédentes, le secteur bancaire guinéen enregistre des performances remarquables, notamment en ce qui concerne la solvabilité et la rentabilité, en dépit d'une légère dégradation du portefeuille de crédit. En effet, au 30 septembre 2018, toutes les banques respectent le ratio de solvabilité, dont la moyenne du secteur est de 17,1% contre une norme réglementaire minimale de 10%. En matière de rentabilité, le secteur bancaire réalise un résultat net bénéficiaire de l'ordre de 307 milliards de francs guinéens au 30 septembre 2018 contre 291 milliards l'année précédente, soit une augmentation de 5,4%. Cette situation, observée plusieurs années de suite, témoigne de la résilience observée du secteur bancaire aux chocs les plus divers. Cette résilience a vocation à être renforcée avec la création du fonds de garantie des dépôts, dont l'opérationnalisation a déjà commencé. En revanche, comme indiqué un peu plus haut, le taux de dégradation du portefeuille de crédit s'accroît, passant de 8,4% à fin septembre 2017 à 10,1% à fin septembre 2018. C'est pourquoi la Banque centrale de la République de Guinée continue de prendre des mesures drastiques en vue de corriger cette situation pour le renforcement, par le renforcement de la supervision des activités bancaires. Monsieur le Président, honorables députés, mesdames et messieurs, en ce qui concerne le secteur des assurances, la Banque centrale a élaboré les premiers textes d'application de la nouvelle loi sur les institutions financières inclusives. Vous avez compris que c'était le secteur de la microfinance. Cette loi, comme vous le savez, a été adoptée par votre Illustre Assemblée le 4 juillet 2017 et promulguée par le président de la République le 17 août de la même année. Elle donne des fondements légaux aux établissements de monnaie électronique et, plus généralement, à tous les établissements financiers, y compris les services financiers de la Poste. Dans le cadre de la synergie d'action entre les pays africains en matière d'inclusion financière, la République de Guinée a accueilli en mai 2018 la 6e table ronde annuelle des décideurs de l'initiative africaine des politiques d'inclusion financière. L'objectif de cette table ronde était de favoriser l'harmonisation des politiques d'inclusion financière en Afrique. Dans le domaine des assurances, on y arrive,
Les différents textes d'application du Code des assurances sont élaborés par la Banque centrale. Par ailleurs, les 19 et 21 juin dernier, la Société africaine de réassurance, Africare, a tenu les assises de sa 40e réunion annuelle à Conakry. Ces assises ont permis de renforcer la coopération entre Africare et la Guinée en matière d'assurance et de réassurance, notamment dans le cadre de la mise en place prochaine d'une société nationale de réassurance. Le programme de modernisation du système financier, du système national de paiement mis en œuvre par la Banque centrale en 2014 se poursuit. Ce programme, conjointement financé par la Banque africaine de développement et la Banque centrale, ainsi que par les banques commerciales, vise à équiper l'économie guinéenne en infrastructures de marché robustes pour réduire les délais de règlement des transactions commerciales et financières. À ce jour, toutes les composantes du système national de paiement sont opérationnelles, à la grande satisfaction des parties prenantes. Les transactions journalières se situant initialement entre 100 milliards et 120 milliards de francs guinéens sont désormais dans une fourchette moyenne de 150 à 200 milliards de francs. La Banque centrale a acquis un nouveau logiciel comptable dont les modules portent sur les rapprochements bancaires, la gestion de la comptabilité des fournisseurs ainsi que celle des immobilisations et des achats. Dans le cadre du renforcement de la gouvernance financière, la Banque a réussi à convertir ses états financiers de 2017 aux normes internationales IFRS. Monsieur le Président, honorables députés, mesdames et messieurs, comme vous le savez, le système financier joue un rôle de premier plan dans le développement économique et social. À cet égard, il assure une fonction d'intermédiation financière. En dépit des progrès accomplis dans le secteur, le financement de l'économie nationale continue d'être un défi majeur. Par exemple, à fin septembre 2018, les crédits à l'économie représentaient seulement et de la Côte d'Ivoire, appuyés par les ministres des Finances de ces quatre pays et les gouverneurs des 8 banques centrales de la zone. Depuis, d'importants progrès ont été accomplis. Actuellement, une nouvelle feuille de route est adoptée pour respecter l'échéance 2020 et des concours divers sont organisés pour choisir les noms de la future monnaie et de la future banque centrale de la CEDEAO. Les défis majeurs de ce processus portent actuellement sur la mobilisation des ressources en vue de financer le gap de la nouvelle feuille de route et sur le choix du régime de change à adopter. Quant à la politique de change, la Banque centrale entend poursuivre une gestion rigoureuse des réserves par l'application stricte de la réglementation des changes en matière de rapatriement des recettes d'exportation et de celles liées à la facturation en monnaie nationale. La Banque compte poursuivre avec le gouvernement les efforts de renforcement des réserves de change afin d'atteindre et de maintenir au minimum une couverture confortable de 3 mois d'importation, ainsi que sa politique de flexibilité et de stabilité du taux de change, projeté à 9 250 francs guinéens pour 1 dollar américain en 2019. C'est à ce titre que dans le cadre du second programme de facilité élargie de crédit, la Banque centrale s'est engagée à expérimenter un marché aux enchères unilatérales de devises. Par ailleurs, la Banque mettra en œuvre un projet d'appui à la modernisation du secteur financier dans différentes composantes, notamment l'actualisation de l'étude diagnostique du secteur financier guinéen, la mise en place d'une bourse des valeurs mobilières et la création d'une salle des marchés. En matière de supervision du système financier, la Banque poursuivra ses réformes en vue de la mise en place de la supervision basée sur les risques. Dans le cadre du développement du système d'information du crédit, la Banque envisage
la participation prochaine des institutions de microfinance et ultérieure des établissements de monnaie électronique. De même, elle procédera au recensement biométrique des clients enregistrés dans le système d'information du crédit avec le concours des établissements bancaires. Dans les années à venir, elle s'attellera à promouvoir le système d'information du crédit qui, par la suite, doit conduire à un bureau d'information du crédit. Dans le domaine des assurances, la banque prévoit la création d'une société nationale de réassurance avec la participation de divers partenaires. De même, pour accompagner le gouvernement dans ses efforts de développement du secteur rural, elle envisage la création d'une société d'assurance agricole. En vue de répondre à l'une de ses missions fondamentales s'agissant de l'assainissement de la circulation financière, la Banque centrale mettra en circulation de nouveaux billets de 20 000 francs guinéens améliorés et de 10 000 francs redimensionnés avec, dans l'un et dans l'autre cas, de nouveaux éléments de sécurité. Enfin, la Banque compte renforcer son dispositif institutionnel interne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en vue de l'instauration d'une culture de conformité. Monsieur le Président, honorables députés, je voudrais, avant de terminer mon intervention, réitérer la ferme volonté et la disponibilité de la Banque centrale de la République de Guinée à apporter sa contribution aux côtés du gouvernement dans la mise en œuvre des réformes économiques engagées en vue de soutenir la vision du président de la République, le professeur Alpha Condé, quant au développement économique et social de notre pays. Je voudrais enfin vous remercier, vous-même, honorables membres de la représentation nationale, pour la profondeur et la pertinence de vos débats sur toutes les questions se rapportant à la vie nationale. Je me tiens bien sûr à votre disposition pour répondre aux questions éventuelles et apporter toutes les clarifications que vous jugerez utiles. Je vous remercie de votre aimable attention. Initial, présenté tout à l'heure à l'Assemblée par le ministre du Budget. Je pense personnellement que la nouvelle loi des finances 2020 manque de personnalité, manque de caractère. Absolument aucune politique très claire là-dedans. D'abord, en termes de taux de croissance de l'économie, c'est une croissance qui est en train de tomber à 5% au lieu de 10% les deux années 2015-2017. 2018-2019, on est autour de 5%. J'ai toujours dit que la croissance de 10% était simplement due à l'entrée en production des nouvelles unités bauxitiques, puisque la Guinée s'est spécialisée dans la bauxite, ce qui ne me semble même pas être une bonne chose, parce qu'il y a la destruction de l'environnement, mais on n'a pas une très forte hausse des recettes budgétaires. Donc nous avons demandé un peu de clarification dans la taxation minière bauxitique. Deuxièmement, je me demande qu'est-ce qu'on fait en termes d'investissement à l'intérieur du pays, notamment les routes, notamment les barrages, les nouveaux barrages à l'intérieur de la Guinée. Ce sont quelques éléments. L'autre élément sur lequel j'ai insisté, c'est le taux de chômage des jeunes. On n'en parle pas ici dans ce Parlement, le chômage des jeunes. C'est la grande majorité des jeunes guinéens qui n'ont pas de travail. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour aider les petites et moyennes entreprises guinéennes? Quelles sont les initiatives dans le domaine de l'agriculture pour insérer les jeunes agriculteurs dans le tissu économique? Je ne vois absolument rien dans ce budget. C'est très important. L'autre aspect qui concerne les jeunes, c'est l'éducation. On est toujours autour de 13% du budget qui est alloué au secteur de l'éducation dans son ensemble. Dans tous les autres pays africains qui nous entourent, ceux qui ont l'éducation comme priorité, c'est autour de 30%, parfois même plus de 30% du budget. Donc ce qui me fait toujours dire que la Guinée, c'est le pays qui ne donne aucune priorité à l'éducation, donc à l'avenir de la Guinée. Voilà.
voilà quelques lignes de mes observations. Ensuite, on a parlé de la monnaie unique, qui me semble être plutôt le mythe de Sisyphe. Hein, chaque année, on en parle et les échanges sont tout le temps reculés. Voilà un peu quelques observations que j'ai sur ce budget. Bon, nous aurons le temps de voir les chiffres en détail, mais pour moi, c'est un budget qui n'a pas de caractère. Voilà. Aïe, ouah, pour la vie, la calée, qui ne m'entendait pas, le dire.